des caméras intelligentes, mais ils m'ont vendu la plus conne en fait. Il y a des trucs qui ne marchent pas dedans encore. Je pense que c'est une question de mise à jour. Bonjour, ça va ? Mal. Vidéo. Pas qu'il y a du café ? Allez, café. Hop, merci. Avec du sucre ? Non, sans sucre, merci. C'est pas un bon accueil, ça. Bon alors, si j'ai bien compris, ce n'est pas un événement, c'est organisé par des gens qui pédalent à Vendôme que mon camarade Sébastien connaît, qui organise des sorties comme ça entre potes. Et comme ils avaient participé déjà à un truc de Sébastien, bah Sébastien leur rend l'appareil, il vient, ce qui permet de découvrir de nouveaux territoires. Tout le monde se prépare, il fait un peu froid, enfin disons frais, il doit faire 8 degrés là, je pense. On est bien. Bon, mon petit bijou est prêt. 40 à l'avant, 10, 50 à l'arrière. J'espère que les pneus vont aller aussi, parce que je suis pas super cranté là. J'ai pris les pneus de ma femelle pour rouler dans la boue, sur les terrains humides. Bon allez, je vais ranger cette petite caméra tranquille dans la voiture, je vais pas la prendre avec moi parce qu'elle est trop fragile. Oh là, ça commence bien. Merde, j'ai loupé la chute. À l'arrêt, ça s'annonce bien. Ah, j'aime bien que tu l'aies loupé. Bon, on est presque tous prêts là, je crois. Allez, vite, ça va appeler ta femme. Ah oui. Comme d'habitude. Et tu as plein. On est combien alors? Ah oui, toi t'es équipé randonneuse avec tout ce qu'il faut pour pas être sale. Tu as bien fait. Bien avoir le cul sec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah avec moi on est 9, impair c'est parfait. T'avais dit 15? Ah le temps il court pas en sa faveur. Ouais. Oh les gars exagèrent. On est 9 sur 15. Il y en a 6 qui aiment pas la pluie. Mais là ça a l'air, ça va tenir. Oh, regardez, il y a une belle lune. Là c'est un peu noir, je sais pas où on va. Bon ben on est parti hein. Ouais voilà on est parti, petite boucle de 75 km normalement. On se dirige quand même vers les nuages noirs. Il est prévu de rares averses, bon il est tombé de l'eau toute la nuit, vraiment beaucoup. Donc j'espère que ça va aller. Parce que là, c'est la campagne. Avec un décor que je n'ai jamais vu et je vois que ça grimpe par là-bas. Là ça grimpe. Et tous les week-ends en France, des groupes se retrouvent comme ça pour aller pédaler et c'est cool. Et avant de folie, je crois qu'ils annoncent 30 km/h de moyenne avec des pointes à 70. Ça va souffler, le soleil se cache là-bas. Moins plat que par chez nous. Sur les petits chemins qui ont pris l'eau. La température corporelle monte vite. Donc là, le vent souffle à 35 km/h dans notre gueule. Il y a des rafales à 70. C'est un peu ballonné, donc dès que ça grimpe un peu, on sort de la montée, on se prend le vent pleine face. Et forcément, on en perd un petit nombre. Là, ils sont derrière. Pas sur les voies, ils sont au loin. Mais on attend, et ça, c'est bien. Au départ, il va y avoir deux groupes, mais on n'est pas suffisamment nombreux pour qu'il y ait deux groupes. Non, on peut s'attendre, pas. Moi j'étais là pour ça, mais bon, si vous voulez pas faire la course. Bah, tu sais, on a qu'à dire que t'as gagné. Voilà. Ouais, il a gagné. Comment, c'est quoi ton prénom? Thomas. Thomas, bah Thomas a gagné. Merci. Au loin là-bas, je sais pas si on les voit, mais il y a des chevreuils qui galopent. Le temps que je sorte la GoPro, ils ont déjà fait 300 mètres. Clairement, ils vont plus vite que nous. Bon, on est reparti tranquillou, on a reformé le groupe. Bon, je crois que la météo va être sympathique avec nous. Je pense qu'on va pas se prendre la pluie. Hein. J'ai chaud partout, j'ai trop chaud en fait. Oh la rafale! Oh putain, on est sorti de derrière les arbres là! Je me suis pris une rafale! Bon! Allez, je range, on va tourner sur les petits chemins. Normalement, on va l'avoir dans le dos là. En plus, ça descend. Oh là, on va faire une pointe, mon pote. C'est parti! Yeah!
secoué. Oh, branche cassée. C'est mignon tout plein. Ah ouais, point de vue. Oh putain, oui, c'est joli. Ah oui. Alors là, 20e kilomètre, Vendôme. Il y a des gens de Vendôme ici, là, non? Toi, t'habites à Vendôme? Vendôme? Vendôme, ouais, de souche. De souche? Ah, ouais. Attention, hein! Voilà, la souche, c'est là, la racine. Maman vendômoise, papa ou Budapest. Depuis 12 générations, ah ouais, bah oui, vachement de souche. Ça n'existe pas, les trucs de souche, c'est terminé. Quoi. Depuis 2020. C'est fini. Famille Pilon-Duc. Ça fait 10 000 ans que les souches, ça ne veut plus rien dire. Ça, c'est un ancien quartier militaire. Ouais, ah oui, ça oui. C'est pour ça que c'est bien, bien carré. C'était la cavalerie, donc après, il y a les étals, il y a les, pour les chevaux. Ah, d'accord, ouais. Et donc là, c'est Vuitton qui est installé. Voilà. Mais ça, ils font quoi là? C'est des bureaux, c'est quoi? Non, non, ils font des sacs. Ils fabriquent des sacs, c'est là qu'ils fabriquent les sacs. Oh, je vais faire une vignette où je vais parler des sacs Vuitton. Je vais avoir des milliers de gens qui vont venir la voir parce que c'est là qu'on fabrique les sacs Vuitton. Chez Saint-Martin, là, là, à gauche, oui, alors la Trinité, superbe abbaye. À gauche, gauche, là-bas, juste derrière le clocher, c'est la Madeleine. Okay. Et tout là-haut, c'est la Tuilerie, ce qu'on appelle les Hauts-de-Vendôme. Voilà. D'accord. Et à côté du château d'eau, c'est là où on va passer en revenant. D'accord, là-bas. Là-haut, ouais. Bah, c'est très joli en tout cas. Nous, on n'a pas de hauteur comme ça, c'est con. Bah, c'est le Loire qui passe au bas. Vendôme, il y a plein de bras de Loire, c'est comme une petite Venise, on va dire ça. Ouais, c'est un petit peu ça. Parce que derrière, tout ça, on nomme ça le temple. D'accord. Pourquoi Je sais pas. Pourquoi Vendôme? Vendôme, pourquoi? Parce que c'est sur une montagne blanche. D'accord. Tout ce que t'as en bas, là, c'est de la craie. Il y a le château, là, mon roi. D'accord, on va passer devant. Ouais, okay. Bah, enfin, c'est vraiment ruine. Il reste plus qu'une. Ok. Henri IV l'a attaqué, mais il s'est cassé les dents. Non. Les Vendômois n'étaient pas de la bonne religion. Donc il a fait détruire. Et après, les Prussiens se sont inspirés de la même chose en guerre 70, même tactique que Henri IV. Puis les Allemands aussi, contournés de passer par là. Ouais, bah oui, parce qu'avec les hauteurs. L'intérêt de faire des sorties avec des gens dans des patelins qu'on connaît pas, c'est ça, c'est d'avoir un peu d'histoire. Avant, ce qui était bien ici, c'est que tu avais beaucoup de sport. De sport judo, ah oui, d'accord. Qui utilisaient les locaux. Ouais. T'avais le judo, l'escrime. Ouais. Tout ça. C'est viré maintenant. C'était bien. Ah ouais, les carrés, là, il y avait des gros platanes. Ouais. Ah voilà, moi j'ai quitté Vendôme, j'ai quitté Vendôme, j'avais une trentaine d'années. Ah ok. Et là, de 30 à aujourd'hui, ça a vraiment. Ça change, bah, normal. Entre guillemets, Vendôme, je suis un petit peu déçu. Pourquoi? Parce qu'ils auraient vendu le nom Vendôme à Vuitton. Ah ouais? Non mais quand on en est rendu là... Non, c'est vrai, ils l'ont vendu? Oui, ils ont vendu le nom à Vuitton. C'est-à-dire que quand moi, si par exemple je veux m'installer et je veux appeler, je sais pas... Chaussure sur Vendôme? Vendôme Platerie, ouais. Tu sais, comme au Caraïbe, Caraïbe Platerie. Ouais. Eh bien... Tu peux pas? Bah ouais, il va falloir que... Okay, non, c'est sous le sens. Une misère. Une misère en plus. Aujourd'hui, ce Vuitton fait ce qu'il veut. Ouais, bien sûr. Quand là, il a décidé de tout refaire. Bah, bien sûr, il n'y a pas que lui qui a mis... T'as la municipalité, la région. Et puis, bah voilà, ils souhaitent que l'avenue machin soit améliorée, ils souhaitent... Ah mais c'est fou ça. Alors, je tape pas sur Vuitton, puisque... Ouais, c'est là, il file un petit peu de travail, mais bon, les salaires, c'est pas... Ouais, mais bon, le travail, c'est pas une excuse pour tout non plus. C'est pas une excuse pour tout. Et de s'appeler Vuitton, ce n'est pas non plus... Non, bah, je suis d'accord. Nous sommes d'accord. Je partage avec toi. C'est très beau. J'avoue, c'est très beau. Je suis vraiment amoureux de ma ville, parce que quand tu arrives de Blois, tu passes en dessous une porte qui s'appelle la porte Saint-Georges. Et quand je passe cette porte, je sais pas ce qui se passe. Ah, t'as un truc en toi qui est chez moi. Ah, je me sens tellement chez moi. Moi, je suis né au Rhodes, j'étais plus de la cité. Mes parents avaient des soucis, donc je déménageais souvent, donc j'ai quand même pas mal... Je me suis beaucoup baladé. J'ai fait beaucoup d'écoles ici, j'ai rencontré beaucoup de gens que je revois aujourd'hui. Et super, moi je trouve que c'est vraiment très très beau. Moi je suis pas né là et je trouve aussi que c'est plutôt joli vu d'ici. Hein. Après, je sais pas dedans. Hein. Quand tu vas sur la gauche, tu vas sur Montoire, Troglodyte, tu longes le Loir, c'est magnifique. Ouais, j'imagine. Ouais. Ah non, mais c'est une autre région. On appelle ça ici la Beauce Pouilleuse. Pourquoi? Parce que Paris, Tours. Ouais.
Et hop. Là, et quand tu arrives ici, boum, ça descend. Une cuvette. Et c'est pour ça qu'on a des reliefs. On a ouais, du c'est vin, sympa. On a... Pour le gravel, c'est cool en tout cas. Ah bah ici, oui. Ici, oui. Bon, après, moi, je fais partie de ces gens qui trouvent qu'il y a très peu d'endroits très laids en fait. Surtout quand c'est bien raconté. Ah oui. Il y a un intérêt partout où tu trouves des gens sympathiques. Allez, on est parti cette fois-ci. On redescend vers Vendôme. Bonjour, madame. Ok, j'ai vu. Il est gros, il est énorme. Je veux pas l'embêter. Oh, il a l'air mignon. Ah, on peut faire. Je caresse rien du tout, moi. Ah oui, il a pas peur. Non, mais même avec ce sourire-là. Si tu sonnes pas, t'as vu ce qui t'attend. Ah oui, il y a des meurtrières et tout. Ils sortent avec le fusil. Non, en tout cas, c'est très très beau là, le tour dans la roche. Je serais curieux de voir le bâtiment qui est là-bas au fond, bien maçonné dans la roche, quoi. C'est très joli. Bon, ben là, nous attend une côte a priori. Ah voilà, petite crevaison, hein, faut bien qu'il se passe des trucs. Mais c'est toujours sur moi que ça tombe. T'arrêteras d'inviter des copains, toi, vas-y. Non, mais il aime bien crever, il aime bien montrer ses pneus. Il dit que c'est bien en plus. Mais faut dire que là, ils sont pas très. Pas très crantés sur le dessus, là. Un crampon, c'est l'air. C'est les pneus que j'ai monté à l'arrache hier soir parce que j'ai pas reçu les. Et t'es en chambre arrière? Et je suis en chambre, ah bah du coup, j'ai plus de préventif, j'ai plus rien. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. C'est ceux-là que j'avais que j'ai changé parce que ceux des miens ils sont rincés. C'est les mêmes que toi. Ils ont fait 1000 bornes, il n'y a plus rien. C'est pas ouf. C'est coupé sur les silex. C'est juste pour une course. C'est quoi ça comme. Ah oui, c'est ça. Les gravel grinders. C'est pour rouler vite pendant 200 km et c'est fini. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais. Vous êtes moucheté, c'est beau. Allez, c'est parti. Donc d'expérience, quelqu'un qui s'arrête pour remettre un coup de pompe dans son pneu, vous pouvez être sûr que 500 mètres plus loin, il s'arrête pour changer la chambre à air. Ça ne marche jamais, ça ne tient jamais en fait. Bon, ce qui est rigolo, c'est qu'on est neuf et il y en a quand même deux qui ont fait le Tourmag. Thomas a fait le Tourmag, Sébastien a fait le Tourmag. Ah, ça fait trois. Et Laurent, il y a Laurent. Laurent aussi a fait le Tourmag. Ouais, putain, il y a quasiment la moitié. La moitié, parce que moi j'en ai fait un tronçon, 3,5, la moitié. Il est balèze, il a fini en single speed. Ah oui, il a tout niqué. Il a explosé son dérailleur, alors on a enlevé le dérailleur, on l'a monté en single speed, il a fini les 100 derniers kilomètres comme ça. Putain la vache. Ouais, solide. Ça va, c'était 100 km de descente. Quasiment, ouais, c'est bon. Ouais, non, ça c'est sur le papier, t'en as l'impression que c'est 100 km de descente. Non, mais du coup, descente, quand tout ce que t'as fait. Faut y demander, Lolo, c'était 100 km de descente. Non, non mais plus descendant que tout ce qu'on avait fait avant. Ouais. Non, mais quand tu regardes le profil de du dernier tronçon, tu te dis putain, ça va être frisette. Et en fait, pas du tout. Non, en fait, non. Merde. Ouais. Horrible. Il y a quelques bosses, même la dernière bosse avant d'arriver à la tour.
ski. Ouais, mais celle-là, tu l'as oublié, tu vois déjà la tour. Ouais, je l'ai fait à pied, moi. Je dis putain, ça me casse les couilles, pas maintenant, j'en ai plein. Ah, t'es blasé aussi, peut-être, t'as un peu bouffé. Je l'ai fait à vélo et je l'ai vu, il était assis, il m'attendait. À pied, il y a pas de honte. Comme des clochards sur le banc. T'es allé au bout, au moins. Et nous, on a dormi sur les bancs en pierre. Parce qu'il était 4h du mat ou 3h quand on est arrivé. On a dormi sur les bancs en pierre au pied de la Tourmagne, comme des galériens, avant de prendre le train le lendemain. Ouais, mais ça te fait un truc à raconter. Ah ouais, là sinon, Je le ferai le Tourmagne à un moment donné ou un autre. J'hésite encore sur le mode. Soit écarvé en 3 jours peut-être, soit peut-être avec, tu vois, genre Fernand, un truc comme ça, avec le drone en 15 jours pour faire de belles images. C'est ça le truc. C'est soit tu le fais à fond la tête dans le guidon et t'as pas d'image. Tu le fais deux fois. Ah ouais, c'est pas con ça. Alors je commence par laquelle à ton avis, la rapide ou la lente? La rapide. Ah non, la lente pour repérer. Ouais, bien sûr. J'aurais fait comme toi, j'aurais dit la lente aussi. C'est la rapide, pas sûr d'y retourner. C'est quand tu rentres complètement défait, la rapide. Avec Hervé, j'ai moins le choix, ça serait la lente aussi. Mais Hervé, lui, c'est le genre, il m'a dit, hop, on fait 400 km le premier jour, puis après on fait 340. Ouais, lui, il est capable. Hein. Bah, lui, mais attends, c'est une petite. Hein. Le premier jour, t'arrives à Clermont, en gros. Ouais. Vas-y, c'est ça. Par contre, je me tourne. Mais tu fais zéro image. Tu dors dans les fossés. Ah ben, il nous avait dit, je vais y aller, je vais rouler 20 heures par jour. Tu vas raconter ça à la maison, ma fille a dit, mais moi je fais ça. Moi je fais l'inverse. Je roule 4 heures, dors 20 heures. Il faut deux mois. C'est quoi ce délire là? Tu renifles là, vas-y. Mets la langue dessus. Là, c'est le level au-dessus, le mec il renifle. Alors, moi, ça sent quoi? Je vis vélo. Cette année, elles sont comment les chambres à air? Elles ont une odeur framboise légèrement. Non, mais y a rien. Je suis inquiet, ça fait quand même 10 minutes qu'il n'a pas prononcé bite. Ou couille. Attends. Vous trouvez pas que ça. Non, je le prends pas. Alors, ça sent quoi? Je vois ça. Ah, il se retient. Bon, allez, soupe. Réparation terminée. On est parti. Le vent n'est pas notre ami. C'est chaud, non? Accroché l'arbre. Et je me suis souvenu de ces paroles. De? Tu n'étais pas un grimpeur. Ouais, non, c'est pas vrai. Hey, j'étais pas là en bout, j'avais là. Hein? T'étais pas loin derrière. Non, genre on est tranquille. Ouais, c'est ça. Mais c'est un moteur électrique. Ouais, on est parti. Là, ça va être un labyrinthe fait de porte, zone I. Oh, mais c'est le paradis! J'adore ce genre d'endroit. Ouais, c'est mon côté gauchias, écolo-bobo. Ok. Et là, c'est très beau. Bon, il y a un petit coup de cul qui était sympa, là. Ouais, il pique bien, ouais. Là, on a deux, trois, deux autres, là, qui arrivent. Ouais, bon, on va les prendre doucement, du coup. Quand tu connais pas un coin, il vaut mieux être prudent, en fait. Ouais, bon, voilà. C'est pas les Alpes, hein. Ouais, et ils arrivent. Ouais, ça dure jamais très longtemps. Lève là. Eh ben, je range. C'est parti. Bonne promenade, merci. Thank you.
Ah, tout à l'heure, on était là-bas où il y a le toit pointu, là-bas. On est de l'autre côté devant eux. Et là, on est encore au milieu des vignes. Ça va ? Impeccable. Ok. La météo est absolument parfaite, à part le vent. Moi, je m'attendais à une météo un peu pluvieuse quand même. Ils avaient dit rares averses, mais bon, c'était prévu un peu quand même. Mais le vent est tellement fort que... Gauche. Ouais, là, c'est joli, là. Joli là. Ah oui, il y a des informations sur ce que tu vois. Avec une main. Et hop, on y va. C'est ça. C'est juste ce vent quoi, putain, c'est. Ah, ça se gère. C'est simple parce qu'il doit être midi là, non ? On va rien bouffer hier soir. Ah là, c'est chez Vuitton. Un montage avec un peu de VTT. Waouh, la belle structure. Oh, c'est pas joli. C'est joli ici, Lilon, ouais. C'est très mignon ici. On est en centre-ville, là, on a passé le quartier piéton. C'est vraiment très très joli là. Oh, c'est sympathique, hein. Le mec, il a quand même assuré l'indépendance des États-Unis, le gars. À quoi il ressemble ? Ah, il montre la voie, comme tous les grands hommes. Là-bas, regardez ! C'est le marquis de Rochambeau. Il nous manque Lulu pour les anecdotes. Va savoir ce qu'il a fait là-haut après avoir fumé de la bœuf. C'est une cathédrale ? Elle est, oui, elle est un peu abîmée. Hein. À part ça, la voiture, ça salope pas tout. Ah, ouais, ouais. Ouais, c'est joli, ouais. Donc là, on est chez Louis Vuitton. Oh, le vent, sa mère! C'est joli, c'est calme. Il y a combien d'habitants à Vendôme? 20. 20, c'est pas beaucoup, hein. Ouais. C'est 20 000. Combien? 20. Le but de l'immobilier doit être très très cher. Vuitton. Tu sais que j'ai regardé Goldorak, moi j'avais plus l'âge, mais je regardais hein, les débuts. Goldorak, t'es... J'étais trop âgé, moi. Je suis le grand point. Je suis trop âgé. Mais oui, mais quand même, je m'intéressais à tout, moi, sans Kukai, tout ça. Hein. C'était de Candy. Moi, je mange pas de couche. Candy, ouais. J'ai vu des épisodes de Candy, monsieur. Je n'ai pas honte, monsieur. J'ai regardé aussi. Les dessins animés, les films, les séries. J'ai créé de Goldorak. Enfin, je crois qu'ils sont en train de faire un film, je crois, sur Goldorak, non ? Ah ouais ? Il n'y a pas un film en préparation ? Ah, je sais pas. Il me semblait, moi. Une nouvelle version. Une nouvelle version de dessin animé ? La version pour de film animé, ouais. Ah, ok. Et par contre, il est moche comme tout, le Goldorak. Ah ouais ? Mon frère, au Japon, là, avant-hier, il m'a ramené des affiches. Disons qu'il n'est pas à ton goût. Si, allez, bah, tu te fais plier aussi. Parce que je pense qu'ils ont taillé ça pour la génération de maintenant. Voilà, t'as raison. Pas pour les vieux comme nous. Comment ça, je suis vieux ? Je ne sais pas. Il a pas dit que c'était, il a dit. La génération avance. Nous y sommes à... On arrive trop tôt, t'es pas prêt ? T'as tout mangé déjà ? Non, je suis arrivé à 13h. Bon voilà, c'était cool, hein. On a découvert des coins où on n'était jamais venu. J'ai découvert que Vendôme c'était une jolie petite ville. Très agréable. Bon là on va ranger les vélos. Allez, hop. Ah oui, on est un peu à la bourre là. Hein. Bon là il y a une astuce de professionnel. Voilà, le mec il range son vélo entre la roue et... C'est quoi on appelle ça comme... Et le passage de roue. Et le passage de roue. Il est trop fort. Ce type est trop fort. Bon mais c'était bien cool. C'est une sorte qui s'est organisée via les réseaux sociaux. Hein. Je crois que sur Facebook il y a plein de groupes, ou sur Strava, il y a plein de groupes de gens par région qui font du gravel et qui proposent des petites sorties. Comme ça, les gars on se retrouve là et puis on va rouler. Et c'est sympathique. Donc de temps en temps, ça vaut le coup de faire quelques kilomètres pour aller découvrir des coins et des gens. Ce que nous avons fait. Hop. Je sais. On peut couper ça. Je vais me mettre tout nu. Ça, c'est bien dégueu, sa mère. C'est un bon coup de nettoyage en rentrant. Hein. Quand t'es tout en mécanique, hein, tu roules pas avec... Non, j'ai pas d'électrique. C'est vraiment pratique, hein, l'électrique. Hein. T'es en timono ? C'est parce que t'as jamais roulé sur un vrai bon mono. Non, mais c'est question mécanique. N'importe quoi. Depuis que je suis gamin, on m'apprend à ne pas croiser les chaînes. Ça croise pas, là. Ça croise tout le temps. Non, ça croise pas.
Non, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, ça croise rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, ça croise rien du tout, ça croise rien du tout. Je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi c'est bien le monoplateau. Tu m'as vu croiser dans les montées quand je suis sur le 50? Bah oui. Et alors? Bah la chaîne, elle travaille complètement au frein. Et alors? C'est pas bon pour la chaîne. Ah ouais, mais je suis devant. Ouais, c'est marrant ça. Ah non, moi j'adore ça le monoplateau. Ouais. Alors je pense que je suis très con parce que c'est très bien, c'est très efficace, c'est simple et tout. Mais. Le monoplateau en gravel, c'est la vie. Et voilà. Voilà qu'on reconnaît une bonne sortie. La bouffe. Du gâteau. Moi, j'ai pas très faim en fait. La soif. Oui, il y a du cake. Mais... des bons cakes. Ouais, je vais me forcer à manger un bout de cake. Ouais, ouais. Santé. Ah, la vôtre. C'est vraiment un beau coin pour le gravel, sans déconner. Ici, ouais. J'ai heureux de découvrir encore un morceau. C'est qui a fait la trace, c'est toi? Non, moi. Ok. Bah, elle était très bien. Bah, bravo, sympa. Un peu touristique, un peu force parfois. C'est bien dosé, le dosage était parfait. Le rechambeau.